chaud, mais. Ouais, on peut... Ah merde, un départ pour tremblement de terre, du coup, il y a quoi comme moyen de sonner? Bah, je dis les deux CCF. Deux CCF? Les FPT. Ouais, puisque en même temps, là, le système informatique il est en panne. Donc, du coup, les bips ils fonctionnent plus. Et ouais. Donc, là, on est bien dans la merde. CCF, FPT, je pense. Les VSAV, VSAV, PCM PC. et PCM, Donc, VLF. je prends le PC pour l'instant. On va créer un Ouais. genre de centre, avancé. Ouais, bah je t'ouvre la route avec la VLHR. T'es où? Bah non, je suis là. Je vais me prendre la VLHR. Vas-y, vas-y. Parce que du coup, je sais pas où c'est. Ok. C'est dans tout le village. Ok, Donc tu d'accord. vois le bordel. Ah ouais. En même temps, nous, mais nous on l'a pas senti, hein, du CS. Il y a des lags. Vas-y, je t'ai ouvert la barrière. Vas-y, je t'ai ouvert la barrière. Avance. Ouais. Enfin, il faut que tu me trouves un endroit où je peux stationner. Et donc du coup le CH il est touché. Ouais, le CH est touché, donc c'est ça va être chaud. Va falloir qu'on fasse un PMA. Ouais. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud les gars. Ouais, donc pour Ouais, les ça va autres être chaud. inter aussi, ça va être chaud parce que. Bah ouais, du coup Comment? on va pas être en mesure d'activer les autres. Là, peut-être qu'on va avoir du renfort, renfort CCF, renfort PC aussi, peut-être. Ah bah je vais demander ouais. Je pense qu'il y a quand même les radios qui marchent. Je pense. Là, je viens de trouver une plateforme pour activer le PC. Ok, moi je te rejoins. Là, au niveau, tu vois le pré à mouton là, de Ouais, l'agriculteur. je vois, je vois. Bon, on va se mettre ici, on va le mettre ici le PC. On va dire que on dira que c'est un point stratégique. Ok. Vas-y, recule, recule. Voilà, c'est bon, stop. Alors là, il va falloir qu'on déploie les CCF. Attends, j'ai cherché les. Ouais, comme on a plutôt d'électricité, ça va être chaud parce que. On a un groupe un groupe électrogène, tu me diras. Parce qu'il Ouais, faut mais il faut bien le brancher le PC. bah ouais. Allez, on va dire qu'il y avait un groupe électrogène. Ok. VSAV 2 au départ. CCF1 au départ. Avec le CCF, on va faire des patrouilles. Ouais, faites les reconnaissances. Bon, ça va, la route elle est pas encore trop abîmée. Hein. Non, ça va, ça va. On arrive encore à rouler bien avec les. Donc, du coup, par contre, il va falloir faire une reconnaissance au niveau du CH. D'ailleurs, j'y suis au CH là. Et alors? Ça a un peu morflé. Ouais. Mais il marche encore les véhicules du Simmer? Ouais, ça marche. Les garages n'ont pas trop été touchés, c'est surtout au niveau des chambres. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, VSAV1 se dé départ pour renfort aux unités sur le tremblement de terre. Ah, il y a des arbres qui sont tombés et tout. Ah, ouais, bon, en même temps, tu me diras, c'est normal, hein. Il a été de combien le tremblement de terre? De magnitude combien? C'est pas du tout. Et puis On n'a pas trop de renseignements. c'est bizarre.
déjà avoir un tremblement de terre dans la région. Ouais. Si tu me diras, on n'est pas sur une plaque sismique. Et en même temps, la région n'est pas du tout sismique, hein. Il n'y a pas de montagne. Enfin, il y a des montagnes, mais je me comprends. Bah du coup le meilleur moyen ce serait qu'on accède avec le PMA dans le dans la prairie de... dans la prairie là. Attends là je viens de charger là on vient de charger les bâches dans le VTU. Comme ça on va pouvoir le monter. OK. Bon. C'est parti. La caserne m'a l'air un peu vide. Ah, tu m'étonnes. Il y a une autonomie de combien notre groupe électro là? Je crois qu'il est d'autonomie 16 heures. 16 heures? On verra. Hein. Sans, il y en a encore à la caserne, je pense. Dans la remise matérielle. Oui, il y en a. Puis de toute façon, sinon on fera partir un VSR. Hein. Tant pis. Non, tant qu'on peut pas intercepter les départs. VTU1 se présente sur intervention. Vas-y, je fais partir le FPT. Moi aussi. FPT1 au départ. Donc ça va, la route d'accès, elle n'est pas encore trop... des trous cassés. Ok. Attends, par contre, je crois que j'ai un problème là. Donc, du coup, le. Ok. Nous, le renfort de Maltix là arrive juste. Ouais, je vais me présenter là avec le FPT1, vite fait. Elles sont Ouais, pas c'est venues tout le temps, à 15 km. les renforts Maltix. En même temps, c'est ça, Oui, oh là là, ils le ont pris rapprochement toute entre route. les deux centres, il était proche. C'est ça. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire, ils prennent l'autoroute et ça va. Ils étaient là assez vite. Ça aurait pu être pire. Bah, du coup, là, j'ai un nouveau. Et ouais, mais peut-être Même moi, il va falloir en avoir un renfort. Ah ouais. Non. Ah bah du coup là on a plus de Au VSAV. pire. Parce que le VSAV 3 vient de décaler. Ouais. Tiens là je vois des collègues là. C'est CRL Avec Maltix se un présente sur petit le lieu. véhicule là. Je pense que ça doit être un CCRL. Mais je suis pas sûr. Oui, de toute façon, on a eu les coordonnées. Ah ouais, si c'était un CCRL. Bon, ils ont dû trouver normalement. Je vais voir avec leur chef d'agresse Bonjour. Je vais voir avec leur chef d'agresse Oui, puisqu'ils ont pas de l'autoroute toute en plus. façon, les coordonnées GPS ont été données, ont été transmises même par le PC. Bonjour. Donc, Vous avez trouvé facilement? D'accord. D'accord, ok. Ok, Bon, on je pense va que s'en pour vous, recharger. là, votre mission, ça va être de chercher les... commencer les recherches des victimes. Là, ça Pendant que nous, on avait installe les deux PMA. Maltix se enfin, arrive dans la banlieue de dans la banlieue de Jean-Alme.
CCF2, c'est genre même décalé pour tremblement de terre. Juste, on a du mal à trouver, nous, on est de Maltique, c'est. On n'a pas trop. On vient pas souvent ici. Si vous pouvez nous guider, là, on est au CSP. SAV2 Maltix. Ici c'est ça. Je vois, oui, je vous vois. Attendez-moi. On remonte vous chercher. Ok, c'est bon, j'en suis. Là, est-ce que vous voyez CCF qui recule là? Eh ben, c'est nous, vous nous suivez, d'accord? On va vous emmener au poste. CCF1, La SAV2 se présente sur le lieu d'intervention. Se présente sur intervention. Je te rejoins avec le CCRN. Bon, du coup, moi, je fais de mon côté. Ah ouais. Voilà, il y a des trous partout. Ah, nous on a beaucoup d'arbres tombés du côté de l'hôpital. Ah, on a une victime du côté de l'hôpital. Et on a des trous de partout, hein. Sans rigoler. Ah ouais, c'est la catastrophe. Ah bien. Tu vas voir, viens. Ouais, bah là j'arrive. Viens ici là, on a repéré. Bah alors écoute, là on a nos deux CCF, hein, de par exemple sur place. Ouais, j'arrive. Ouais, elle est sous l'arbre. Je sais pas si t'as une tronçonneuse. Elle est sous l'arbre. Ah ouais. Ouais, si, dans le CCF, on en a eu. Voilà, c'est mon jet. De toute façon, j'arrive avec le VSAV. Oh là. Attention. Là, j'ai coupé cette branche, attention à vous. Ok, c'est bon. Donc, on va sortir la victime. Attends, dans le CCF, on a une trousse. Sous le siège, pardon, chef d'agent. C'est bon, j'ai. Monsieur, soyez-vous, tout va bien se passer, d'accord? En même temps, il y a un arbre sur le coin de la tête. On l'amène au PMA, hein, du coup. Ouais, c'est bon, la victime est chargée sur le VSAV. Sur le brancard, vous pouvez l'emmener. Ouais, vous l'emmenez au PMA. Façon, on peut pas l'emmener d'urgence. Vous voyez que je vous ouvre la route. Là, il va falloir faire des reconnaissances hein, dans l'ancien centre. Ouais. Je viens d'avoir une idée, on pourrait faire aussi le PMA ici. Enfin non, si ça n'a pas été trop touché. Depuis, il y a des squats, il y a des squatteurs dedans. Oui, c'est sûr. Ouais, je sais pas. Hein. Mais pour l'instant, moi, je préférerais le faire, le laisser là.
Est-ce qu'on est sûr qu'on est en sécurité, on n'a pas leur... Il n'y a pas de risque qu'on se prenne un truc sur le coin de la tronche. Bon, moi je vais reprendre la manœuvre au niveau du siège. Ok, je vous rejoins de suite avec le Par FPT. contre, là, on a un début d'incendie là, Ah au oui, niveau de la... c'est sûr. Ouais, au niveau de la caserne, à l'ancienne caserne, on a un début d'incendie. Si jamais vous me prévenez. Bah, de toute façon, il y a le CCF qui est déjà présent sur place. Donc, on va pouvoir commencer l'attaque avec le CCF. Attends, je t'emmène le FPT. Par extérieur, on commence l'attaque extérieure, puisqu'on n'a pas le droit d'entrer, puisqu'on Ok, bon, de toute façon, FPT nous, en on gros, va. FPT demandé. En même temps, il y a un contrôle un peu là. Ok, on pénètre dans le Le bâtiment. FPT se présente. Ok, personne Ok, ça retrouvée. marche pas. Personne brûlée. Là, je viens de voir une porte, on va essayer de rentrer par la porte. Ok, c'est bien aussi. Ouais, personne carbonisée. Couloir hautement enfumé. Faut maîtriser dans la remise. Ok, voilà, dernière fumerole maîtrisée dans l'enceinte, dans les couloirs. Poussez-vous s'il vous plaît, monsieur. Bon, voilà. Bon, on va retourner vite fait au poste. Moi, je vais continuer la patrouille. Hein. Et il y avait personne dans l'UMH là du SAMU? Bah, je sais pas parce que je viens de voir les véhicules du SMUR, donc je me posais la question. Bah ouais, je suis sur les lieux là. Bon, ok, j'ai regardé, il y a personne dedans. Je vais faire une dernière patrouille dans l'établissement. Là, il y a un enfant, là, il y a un gamin là. Ouais, je le prends en charge dans le CCF. Tiens, tu l'aides moi à monter là, s'il te plaît? Merci bien. Bon, je le ramène directement au poste. Hein. Ouais. Vas-y, c'est bon, vas-y. Bon, j'emmène le garçon à l'hôpital, au PM. Ok. Ok, c'est bien fait. Merci. Ok. Ah, attends là, il vient de se passer des secousses là. Elles étaient plus fortes que celles d'avant, je pense. Donc là, on va refaire une dernière patrouille vite fait là. Par contre, je vais prendre la VLHR.
Ouais, bah moi je vais aller prendre la vélo chère parce que je vais pas trouver dans les endroits où je vais pas accéder avec le CCF. Ouais, je suis pas regardé ça. Enfin, on a. Mais tu es sur le lieu ou pas? Ouais, bah moi je suis en train de patrouiller là. Ok. Attends, là il y a quelqu'un sous des décombres. Bah là je Vous viens de prenez en capturer charge? Delta, Charlie Delta. Donc, du coup on la scission, on la remonte pas au PMA. On va la rechercher après. Bien sûr. On va faire une dernière reconnaissance. Et après, normalement, ça sera bon. D'accord. Si c'est bien sûr, bah la chair 1 arrive. Ah, il y a une dame qui me crie aussi. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? Ah, votre cuisine a pris feu. Ok, on va s'en charger. Ouais, c'est bien sûr, bah là j'arrive à la hauteur des silos là. Ouais. Ils sont où? Alors que les feux maîtrisés pour le feu de cuisine. Sous les boîtes? Ok, d'accord. Bah là du coup je ramène un VSAV hein. On continue notre patrouille. Ce qu'on fait c'est qu'on va mettre les deux victimes tout de suite dans le VSAV et on les Ah ouais. médicalisera directement au PMA. Bon, je Ah reste ouais, avec le l'FPT. VSAV 1 se présente. C'est bon. Levé. Ah, j'ai un message radio. Il y a trois C'est personnes parti. à côté d'un silo. Attendez, on y va. On la met directement dans le VSAV. On met les deux tout de suite hein, dans le VSAV. Ouais. Ensuite. Attendez, c'est bien, levé. Ok, besoin de renfort VSAV, enfin 2 VSAV, plus un CCF Ouais, je pour la avoir de repointe tout de suite au l'équipage. PMA. Des personnes sous des décombres, une personne Charlie Delta. Delta, Charlie Delta, ouais, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Ok, une personne inconsciente. Tu vois mon FPT?